Joka, je suis très content d'être là ce soir. J'ai tenu à venir après ce qui est arrivé sur un plateau de télévision où il y a des jeunes qui croient qu'ils sont arrivés parce qu'on les chante. Des jeunes qui croient qu'ils sont arrivés parce qu'ils peuvent servir de courroie de transmission pour passer une information. Il y a plus de 40 chaînes de télévision. Nous sommes à 52 aujourd'hui, chaînes de télévision, et une soixantaine de chaînes de radio à Kinshasa qui émettent toutes ces chaînes émettent en clair. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chaînes codées. Mais il y a des chaînes qui sont nées aussi à la faveur du phénomène Zachary, parce qu'il fallait créer et répondre aux besoins de téléspectateurs. Moi, je crois que les jeunes gens qui arrivent aujourd'hui manquent énormément de respect. Ils manquent le respect aux aînés que nous sommes, nous qui nous sommes battus pour leur frayer un chemin, pour qu'ils aient un costume propre, pour qu'ils soient sponsorisés. Je pense que je suis parmi les jeunes le tout premier à être sponsorisé par une grande brasserie et par une grande compagnie de téléphone. Donc ces jeunes gens arrivent dans ce métier sans respect. On n'exclut pas la critique, on peut critiquer les aînés, mais il faut les respecter. Ce que nous avons constaté maintenant, il y a un manque de respect criant des jeunes et il faut qu'on les corrige, il faut qu'ils soient corrigés convenablement. Qu'est-ce qui s'est passé réellement sur, sans indiscrétion bien sûr, parce que les nouvelles ont traversé la ville. Nous étions paisiblement chez nous, que nous avions appris que Zachary et son jeune frère, en la personne de Jackie Ndala, allaient pratiquement en venir aux mains. Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous puissions arriver à ce niveau? Parce que d'abord, tous les deux, vous êtes des responsables. Toi, c'est vrai que tu es le frère aîné de l'autre. Alors, quel est ce mot qui a déclenché la courroux de ton jeune frère? Parce que nous savons que Zachary est généralement très très chaud. Est-ce que ta chaleur a été excessive ce soir-là? Enfin, ce jour-là? Ou bien c'est le jeune frère qui n'a pas compris les donnes? Ah bon, ce jour-là, c'était un matin, moi, les gens me téléphonaient, ils disent, voilà, est-ce que tu es en train de regarder Raga? Moi, je dis, mais écoutez, moi, à cette heure-ci, je ne regarde pas la télévision, je fais tout à fait autre chose. Alors, un premier coup de fil, un deuxième, un troisième, des SMS, je dis, de toute manière, je suis habitué que des gens, comme ça, gratuitement, sans que je l'aie provoqué, parce qu'avant, c'était comment? Un confrère peut lancer un colibé dans son émission, moi je lui répondais dans la mienne. Maintenant, c'est la seule chose que j'ai dépassée, parce que des gens, en fait, s'agrippent à Zachary pour voir la lune, quoi. Est-ce qu'on peut parler en lingala, parce que voilà, c'est le commun de mortel qui est voilà, donc, parce que Batoué, Balobike, Bata Kingaï, tout ça, bon, il y a mon touté, et puis il y a Pené Nazabo, et puis, Koubet, Tapenga, et Zapé, quand même, Kapé, quand même, Gambo. Nazak, il a réunion quelque part. Frère, que les déplacements mon colon dit on a pourquoi quand on est à la gare bon on a pas passeport éviter de se trouver les calélo tout le monde veut savoir bien non est-ce que vous êtes à la raga la minute place dans la télévision c'est ah mais Jacques dans la zone déconne ma bien la télévision bon tikaé ils allent camboter deuxième troisième quatrième cinquième personne et puis là où je trouvais que c'était sérieux c'est quand Françoise Sangolo mon épouse m'appelle. C'est là où j'ai compris que ça devenait sérieux. Et là, vraiment, il déborde. Comment se bien là-bas? Parce qu'on s'est dit, vous permettre l'émission d'un journal lingala facile. Gratuitement. Pour que ça ne soit pas que Nazari témoigne, j'appelle le directeur Mbouyi Bobé, j'appelle le directeur de Digital Congo, là où travaille Jacques Ndala, pour dire, est-ce que vous regardez l'émission? Les deux ne regardaient pas non plus. Ils se sont agrippés pendant ce temps. Moi, je me suis dirigé vers un gars. Je suis venu sur le plateau parce que je voulais comprendre comment, gratuitement, comme ça, moi, la mouké, Azali, cinquième ou sixième derrière moi. Moi, je suis né en 64. Jacques Ndala est né en 75, sur 76. Donc, moi, la mouké, à bébé. Comme ça, gratuitement, pour la rouloka loupema, est-ce que pour la rouloka nini, il y a un plateau, on a tout mis, bien en fait. Les télévisions, on a bouillé, on a fini avec Zachary. C'est du zacharisme. Est-ce que nous, qu'est-ce que nous avons le tout le concours, ça peut se référer à Bangolélo. Vous avez le moins respect. Critiquer peut-être Zachary pour élinguer Salio. Mais respect, il faut les aller. Allons-moi les chemises. Je
Combien vous assure que Mathieu Lusso bougie. Mathieu a bougie, il y a solo, il y a portugais. Ma pélisse en moi, il y a et ça m'a dit, voilà exactement ce qui s'est passé. Bon, je suis allé à la maison, je suis allé à la maison, je suis allé à la maison, je suis allé à la pour l'émission. Et les gens qui ont mais, je pense quand même qu'il faut, ceux qui ont la respecter, il faut se faire respecter. Et Joka, ce soir, je te dis que je me ferai respecter et je vais corriger ce garçon. Zachary, on te connaît très chaud. Voilà. Je tiens à saluer. La correction est spirituelle. Avant que Adolphe ose la parole. Non, non, je dois intervenir. Parce qu'on est en famille là. Toi, tu es mon ami, Zachary, mon ami. Et puis, Jackie Aza, Lekinabiso. Oui. Vraiment, Sogasa Akimabe, pour moi, Bolimbisa. Non, il faut. La télévision, la presse, vous invitez à la télé, mais ceux qui bino moko, beaucoup mieux que ça, la bongo, et goza, bien t'es bon. Bon, on a eu bien, tout va bien. Au moni, Adolphe Nakatote, ce qu'on a bien dit, Zachary Awalelo, c'est parce que, au fait, nous, il y a problème, et Zali, bah, Discord, il y a un coffre, le monde. Dans la côte à Marambo, trotté, dans la Zakari, tu as une abadé mêlé. C'est des choses qui sont arrivées parce qu'en famille, pèse à la parce qu'il est passé à la télévision. J'ai eu des frères avec mes quelle mes, quel était mes, sa mission en fait, frère. On dirait Moutouba Tingi dans le plateau. Mais on dirait Moutouba Tingi dans le plateau. Mais Moutouba Tingi dans le plateau à Kossier. Pour comprendre, parce qu'il y en a qui s'occupent de lui. S'il te plaît, Zach, s'il te plaît. N'a l'élo, n'a l'élo, parce que nous devons, faut-toi apaiser, attention. Moni, tout à l'heure, on a présenté que comme une icône, tu as une école, tu as toute une génération des gens qui ont suivi l'élan que tu as apporté. Parce que nous devons nous dire ce qui est vrai, qu'au niveau de la télévision congolaise actuellement, la plupart de nos jeunes frères ne sont pas aussi balèzes, ils n'ont pas un bagage aussi costaud. Ni une expérience dans la vie. Moi, j'ai 28 ans de télévision. On doit quand même se la dernière plus parce qu'on fait tous la chronique musicale. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient à l'époque. Moi, j'étais journaliste professionnel en 99. S'il y a quelqu'un qui peut se fâcher contre Kofi aujourd'hui, ça s'appelle Zachary Babassou. Mais il y a 10 ans de cela que les choses se sont passées. Il y a un problème entre les deux chaînes de télévision. Tout le monde parle de code de déontologie, mais il faut lire le texte. L'article 17 dit, vous devez être solidaire. Être solidaire ne veut pas dire appuyer. Ok ouais. La RTGA, dont le patron est frère à Kofi Olomide, ils ont leur relation. Oui, parce que sa mère mais oui. Et Kofi, c'est vraiment le même terroir. Moi, quand Kofi m'a expliqué ce qui s'est passé, j'ai dit non, il a peut-être raison. Par rapport à ce qu'il a au fait, il est parti 30 minutes avant. Il a peut-être raison. C'est pas parce que il a envoyé de New Jack m'agresser à Bruxelles que je lui ai dit non, il faut qu'on le tue. Non. Mais là, il a expliqué qu'il est parti 30 minutes avant avec sa garde. Ce qui est resté s'est passé, il ne savait pas. Mais il est prêt à réparer. Je le sens enregistré de Kofi Olomide. Bon. Mais la RTGA a porté plainte. Au nom de l'article 17 du code de l'éthique et de l'ontologie, les journalistes, nous sommes... La justice, c'est ça, Moussa. Et c'est la Moussa Nango. Exactement. Mais entre-temps, embargo est athée.